Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir le pouvoir de Fatalis sur Fortnite. Alors il faut savoir que ce pouvoir n'a que 5% de chance d'apparaître sur la map. Et il n'apparaîtra uniquement que quand l'île du butin volante sera disponible. Donc ça veut dire qu'au début de la quatrième tempête, l'île apparaîtra. Et si vous avez l'île de Fatalis, là vous allez pouvoir récupérer son pouvoir. Donc là on peut voir que le ping m'indique que c'est l'île au butin, donc je doute que ce soit l'île de Fatalis, et on peut remarquer aussi que ça ne ressemble pas à l'île de Fatalis. Donc là, je vous affiche une petite image qui vous montre justement à quoi ressemble l'île de Fatalis. Et une autre chose intéressante à savoir, c'est que quand l'île de Fatalis apparaît, par contre, je ne sais pas si ça apparaît en début de partie, mais dans la cheminée qu'on peut voir en face de moi, donc dans la cheminée qui se trouve près du château de Fatalis, il y a une tête de Fatalis justement qui apparaît. Alors, est-ce qu'elle apparaît directement en début de partie, ce qui pourrait nous aider à comprendre qu'on est dans une partie où justement on va pouvoir obtenir le pouvoir de Fatalis, ou alors la tête apparaît uniquement quand l'île de Fatalis apparaît également? Donc actuellement, je ne connais pas la réponse, mais dès que je la saurai, je vous la partagerai en commentaire épinglé. Alors maintenant, pour vous présenter l'efficacité du pouvoir, je vais utiliser un gameplay de Nanas. Parce que actuellement, c'est le seul à avoir partagé un gameplay à ce sujet. Donc je vais utiliser son gameplay et je mettrai bien entendu sa chaîne en description, en commentaire épinglé pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors pour obtenir le pouvoir, comme je vous l'ai dit, il va falloir aller sur l'île du butin. Et sur l'île du butin, vous aurez un chaudron. Ce chaudron, vous allez devoir le capturer. Et pour le capturer, c'est la même chose qu'avec l'île au butin et le drapeau. Vous allez juste devoir rester aux alentours du chaudron pour pouvoir le capturer. Au bout d'un certain temps, vous l'aurez capturé et là, vous allez pouvoir tout simplement interagir avec pour obtenir le pouvoir de Fatalis. Alors quand vous aurez réussi à obtenir ce pouvoir, ça vous enverra super haut dans le ciel et vous allez pouvoir choisir un peu où vous allez atterrir. Ensuite, vous avez 4 pouvoirs au total. Vous avez le pouvoir de lancer un rayon dévastateur qui fait sûrement énormément de dégâts. Vous avez la possibilité aussi d'envoyer des boules d'énergie qui fait sûrement énormément de dégâts aussi et des dégâts de zone en plus. Vous avez la possibilité aussi de tirer des petites boules d'énergie. Donc ça, je suppose, ça fait pas énormément de dégâts, mais ça doit être quand même pas mal pratique. Vous avez aussi la possibilité de voler tout simplement sur l'eau, normal, MDR. Et vous avez aussi la possibilité de faire un super saut chargé. Donc ça veut dire que vous allez sauter en l'air et ensuite vous allez appuyer sur la touche saut pour tout simplement foncer sur les adversaires et leur infliger des dégâts. Donc voilà pour toutes les capacités du super pouvoir de Fatalis. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a un truc encore plus cheaté. C'est que vous aurez aussi 1000 points de vie au total. Après, je pense que vous ne pourrez pas vous soigner pour les recharger. Peut-être que ça se rechargera en réalisant des kills. Ça, j'en sais rien. Mais en tous les cas, vous aurez 1000 points de vie. C'est super cheaté. Donc voilà, si vous en savez plus à propos de ce sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire.